Il écrase tout sur son passage au point que Usain Bolt le voit déjà comme celui qui pourrait lui succéder. Une remarque élogieuse que Wade Van Niekerk considère comme un énorme défi. Et l'athlète sud-africain veut prouver qu'il le mérite bien. C'est un grand honneur, en particulier pour la personne qu'il est et ce qu'il a fait pour les pistes et les grandes choses qu'il a accomplies en tant qu'athlète. C'est toujours énorme d'avoir la reconnaissance d'un grand athlète comme Usain Bolt. Mais c'est maintenant beaucoup de responsabilité pour que j'y arrive et travailler pour cette reconnaissance. Et évidemment, j'apprécie toutes ces graines positives semées dans ma vie. Nouvelle pépite de l'athlétisme mondial, le sprinteur sud-africain sera sans doute la grande attraction des Mondiaux de Londres derrière l'octuple champion olympique jamaïcain. Un costume qui ne semble pas trop large pour le double champion d'Afrique, qui veut aussi marcher sur les traces des légendes. Je voudrais croire que je peux continuer à grandir, continuer à faire de grandes choses, continuer à changer les livres de l'histoire. En ce moment, j'ai quelque chose que n'ont pas d'autres athlètes. Comme vous l'avez mentionné, ce sont les 100, 200 et 400 mètres. Mais en même temps, je veux avoir des temps que personne d'autre n'a réalisés. Et c'est ça. C'est pourquoi je vis. Donc je vis pour l'impossible. Et je dois atterrir quelque part là-bas. Recordman du monde des 300 et 400 mètres, le médaillé d'or olympique sait que pour titiller les légendes, il lui faudra confirmer cette domination et se lancer à la conquête du 200 mètres qu'il a ajouté à son programme à Londres. Un énorme challenge.